c'est Frédéric qui vous parle. Bienvenue pour cette nouvelle séance complète d'hypnose. Votre vidéo va commencer dans quelques secondes, mais avant ça, j'ai un cadeau pour vous. Si vous avez choisi de faire cette séance aujourd'hui, quelque chose me dit que vous n'êtes pas à 100% satisfait de votre apparence physique, de votre poids ou de votre corps. Ou alors peut-être que vous voulez changer votre rapport à la nourriture. Quelle que soit la raison, je vous comprends, c'est naturel de vouloir se sentir mieux dans sa peau. Le souci, c'est que la plupart des gens pensent que pour y arriver, il faut faire des régimes. Mais en faisant ça, ils sabotent leurs chances de réussite. Et pourquoi ? Parce qu'ils mettent totalement de côté les raisons inconscientes qui se cachent derrière nos problématiques de poids. Et les vrais leviers pour avoir enfin le corps dont vous avez envie, ils sont ailleurs. Et c'est pour vous aider à les trouver et à atteindre votre propre objectif minceur que j'ai créé un programme entièrement gratuit. Vous ne le savez peut-être pas, mais l'an dernier, j'ai moi-même pris plus de 10 kilos en quelques mois. J'ai réussi à les perdre grâce à des techniques issues de mon expérience de thérapeute. Et je vais partager ces techniques avec vous dans le programme 7 jours pour atteindre mon objectif minceur. Pendant une semaine, vous allez recevoir un email par jour avec des conseils pratiques et psychologiques. Vous y trouverez des exercices pour explorer le mental et provoquer des prises de conscience, mais aussi des vidéos d'hypnose. Ces séances complètes et gratuites vont venir travailler en profondeur les raisons inconscientes qui vous éloignent de votre corps idéal. Bref, c'est un programme très complet qui va à l'essentiel. Je sais qu'il va vous permettre d'obtenir de vrais changements durables sans passer des heures à la salle de sport. Plusieurs centaines de personnes de ma communauté l'ont déjà suivi. Ils ont été très surpris par son efficacité. Et je vous le propose avec confiance et joie, puisque c'est ma propre expérience que je partage dans ce petit programme. Je sais qu'il va vous aider. Et pour vous remercier d'être une communauté aussi agréable et chaleureuse, je vous offre ce programme sur 7 jours en cadeau. Vous pouvez commencer ce programme dès demain matin en vous inscrivant sur le lien qui apparaît en haut à droite de cette vidéo. Vous recevrez ainsi quotidiennement un email et des outils pendant 7 jours. Libre à vous de vous inscrire et d'enfin voir du changement dans votre vie. Allez, je vais maintenant vous laisser plonger dans votre séance. Installez-vous confortablement. Proposez à votre inconscient de s'ouvrir à l'expérience et on y va. Aujourd'hui, je vous propose de partir à la découverte d'un temple tibétain pour retrouver votre calme intérieur et faire disparaître toutes vos agitations internes. Cette transformation qui vous attend vous permettra de retrouver une vie plus sereine, un bonheur de vivre décuplé et une harmonie lumineuse. C'est enfin le moment que vous allez passer avec vous-même. C'est un bon moment aussi pour vous reposer, pour relâcher le corps. Je ne sais pas d'ailleurs si c'est le corps qui va partir dans son espace de repos en premier ou si c'est plutôt l'esprit qui va choisir de ralentir le rythme, de se détendre. Il est possible que certains d'entre vous, à l'arrière des paupières closes, soit encore en train de chercher à maîtriser, à contrôler quoi que ce soit ou à chasser les pensées dérangeantes, les images parasites. Alors de vous à moi, c'est tout à fait contre-productif. Vous pouvez totalement laisser aller, laisser faire ce qui se présente. Laissez vivre les pensées sans chercher à lutter ou à aller à contre-courant. Et si vous êtes d'accord avec ce principe, vous pouvez simplement accepter de vous abandonner à l'expérience elle-même. Et c'est tellement bon de laisser passer les minutes qui s'égrènent. Tout ce temps qui passe en ne faisant rien, en n'ayant même aucun effort à faire pour chercher à vous détendre, à vous relaxer,
en laissant le corps travailler à votre place. Votre corps va s'adapter, il va suivre ses propres envies dans un moment. Et vous pouvez simplement être dans la curiosité de sentir quelle partie du corps est déjà en train de se détendre. Quel muscle, quelle articulation est en phase de décontraction. Et à partir du moment où ne serait-ce qu'une partie de votre corps le fait, alors la sensation d'apaisement se répand à l'intérieur. Curiosité aussi de constater comme vos pieds sont devenus plus relâchés. Avec les chevilles qui suivent ce mouvement jusqu'au mollet. Et constatez déjà de combien la sensation a pu évoluer à ces endroits-là. Et comme c'est bon aussi de prendre le temps de longer votre corps pour observer aussi le relâchement dans les cuisses, dans le bassin. Comme je dis souvent, on fait le tour du propriétaire, la visite de votre propre corps. Comme si vous dirigiez une caméra pour obtenir un plan objectif, à moins que vous ne soyez à l'intérieur même de votre propre corps. C'est bon, n'est-ce pas, de constater que le champ des possibles est infini. Certains ressentent les choses et se voient de l'intérieur et d'autres sont à l'extérieur. Et on peut vivre l'expérience des deux en même temps. Et que vous soyez dedans ou dehors, vous pouvez aussi porter une petite attention à vos bras. Ils sont détendus, ils ont trouvé leur place. Et ils se déposent dans une immobilité consciente et tranquille. Et depuis un moment déjà, votre inconscient est à votre service pour vous faire glisser encore un peu plus. Vous lui avez ouvert cet accès, à moins que lui seul ait choisi de s'engouffrer dans cet espace, de l'ici et de l'ailleurs. Être ailleurs, c'est être là, et être là, c'est être à un autre moment, à un autre endroit, dans un autre temps. Dans une totale ouverture pour recevoir les messages dans ce moment particulier, cet instant où vous êtes déjà si prêt à solliciter votre inconscient pour vivre et intégrer tous ces enseignements. Et alors que ma voix continue à vous accompagner, tout comme cette musique qui est là, et que vous glissez 10 fois plus profondément à l'intérieur de vous-même, vous laissez aussi glisser tous ces messages à l'intérieur de vous-même.
dans ce désir intérieur d'installer le calme profond en vous. Et pour cela, je vous propose d'imaginer, de faire venir à l'avant de votre esprit ce qui représente pour vous la campagne tibétaine. Vous êtes peut-être à des milliers de kilomètres de chez vous, loin de tous les tracas du quotidien et des lourdes responsabilités. Et rien qu'en imaginant cette image ou ce film qui se déroule dans votre esprit, vous vous sentez beaucoup plus libre. Éloigné du poids de la société, de vos devoirs, des priorités habituelles. Et lorsque vous regardez autour de vous dans cette campagne, vous voyez de vastes étendues de terre aride, rocailleuse. Entrecoupée par des chaînes de montagnes majestueuses qui se dressent au loin. Ces montagnes qui sont souvent enneigées et qui scintillent sous le soleil. Et cela crée un contraste saisissant avec le paysage désertique qui l'entoure. Et en regardant de plus près, vous remarquez peut-être des ruisseaux qui serpente travers les vallées, alimentées par la fonte des neiges des montagnes. Les ruisseaux sont souvent bordés de pierres plates et lisses qui ressemblent à des dalles de pierre naturelles parfaitement disposées. Et vous pouvez observer l'eau glisser sur ces pierres, les rendant encore plus brillantes et scintillantes avec les reflets du soleil. Vous pouvez même ressentir la fraîcheur de l'air et le silence paisible de la nature environnante. Le ciel est souvent d'un bleu clair éblouissant et les nuages flottent lentement dans l'air. Les vastes prairies et les montagnes à perte de vue offrent une vision, un paysage à couper le souffle, avec ces pics enneigés qui scintillent sous les rayons du soleil. Vous pouvez également apercevoir des troupeaux de yaks, de chèvres et de moutons.
entendre le son apaisant de leur cloche. Et le vent souffle doucement sur votre visage, emportant avec lui les odeurs fraîches de la nature et vous offrant un sentiment de calme et de détente. Et puis vous allez entamer une promenade à travers cet environnement exceptionnel et unique en son genre. Une marche à travers laquelle vous allez prendre le temps d'activer vos énergies pour entrer dans une phase de nettoyage profond. Et chaque pas que vous réalisez augmente votre pouvoir de guérison intérieure. Et lorsqu'elle s'active, vous vous débarrassez de tout ce qui perturbe votre harmonie et votre calme. Et vous commencez à marcher sur le sentier qui serpente à travers les collines. Vous remarquez rapidement que la nature est abondante ici, avec des arbres luxuriants, des fleurs multicolores et des buissons épineux qui borde le sentier sur lequel vous vous trouvez. Au loin, vous pouvez entendre le chant des oiseaux qui s'élève dans le ciel. Et au fur et à mesure que vous avancez, vous remarquez aussi la beauté de la culture locale. Des drapeaux de prière flottant dans la brise. Des huttes en pierre blanche qui se dressent sur les collines. Et des monastères bouddhistes qui se détachent à l'horizon. Et au fur et à mesure que vous continuez à marcher, vous ressentez une profonde paix intérieure qui se répand avec l'immensité de la nature. Vous êtes libre et connecté à quelque chose de plus grand que vous-même. Et à mesure que vous marchez à travers les collines verdoyantes, vous remarquez cette sensation de calme et de tranquillité qui envahit 10 fois plus profondément votre esprit.
l'immensité de la nature, ce ciel bleu clair, le vent qui caresse votre visage. Tout cela procure une sensation de liberté. Et vous réalisez que même si vous êtes petit dans ce vaste paysage, vous êtes une partie intégrante de l'univers. Vous êtes connecté à la nature qui vous entoure et à toutes les créatures vivantes qui y habitent. Prenez le temps de respirer profondément, de ressentir la présence de la nature. Et vous réalisez que la vie est beaucoup plus grande que vous et que c'est un privilège d'être ici, en train de marcher dans la campagne tibétaine. Et à mesure que vous progressez, vous notez que votre respiration est plus profonde et plus régulière. Votre esprit est plus clair et plus concentré. Vous êtes maintenant totalement immergé dans l'instant présent. Et cette paix intérieure que vous ressentez vous rappelle l'importance de prendre du temps pour vous-même, de vous déconnecter de l'agitation du monde moderne et de vous reconnecter à la nature et à votre essence intérieure. C'est un rappel de la beauté et de la simplicité de la vie et de la façon dont elle peut nous apporter un sentiment de paix et de bonheur. Et ce bonheur, vous en faites l'expérience, ici et maintenant.
Et vous continuez à marcher à travers les collines, votre esprit imprégné de la profonde paix intérieure que vous avez ressentie en vous connectant à la nature. Et à mesure que vous avancez, vous remarquez une structure majestueuse qui se dresse à l'horizon, avec des drapeaux de prières colorés qui flottent dans le vent. En vous approchant, vous réalisez qu'il s'agit d'un temple bouddhiste tibétain. Les murs sont ornés de fresques détaillées et des statues dorées de Bouddha et de divinités tibétaines se tiennent à l'intérieur. Vous êtes accueillis par l'odeur envoûtante de l'encens qui imprègne l'air. Et quand vous vous approchez encore, vous observez la magnifique architecture traditionnelle tibétaine du temple. Le bâtiment est construit en pierre blanche et possède un toit en forme de pagode orné de dorures et de peintures colorées. Les murs sont ornés de sculptures de déités bouddhistes et de symboles sacrés. Et à l'intérieur du temple, vous pouvez entendre le son des cloches et des tambours, créant une atmosphère de calme et de sérénité. En approchant de l'entrée du temple, vous remarquez deux énormes lions de pierre blanche qui se tiennent de chaque côté de la porte, les yeux grand ouvert, dans une posture majestueuse. Il semble vous accueillir. Et en entrant dans le temple, vous êtes instantanément enveloppé par une atmosphère de paix et de sérénité. L'air est empli d'un mélange d'encens et de la fumée de beurre de yak brûlé, créant une odeur unique qui vous transporte immédiatement dans une autre dimension. Les murs sont peints et vous y observez des images très vibrantes de Bouddha. De bodhisattvas et d'autres figures spirituelles. Les couleurs sont vives et éclatantes. Et au centre du temple
se trouve un grand autel orné d'offrandes, de statues en or et en argent de Bouddha et d'autres divinités. Sur les côtés, vous remarquez des bancs en bois et des coussins de méditation, invitant les visiteurs à s'asseoir et à se joindre à la pratique. D'ailleurs, vous pouvez entendre le doux son de la prière tibétaine et le chant des moines qui résonne. Des pièces de tissus multicolores sont suspendues au plafond et au mur. Des peintures tibétaines traditionnelles sont conçues pour enseigner aux gens les concepts bouddhistes de la compassion, de l'amour et de la non-violence. Et dans un coin du temple, il y a une petite salle de méditation privée. Vous y entrez et vous tombez sur un petit autel avec une statue en laiton de Bouddha et des bougies allumées. Il y a des coussins pour s'asseoir. Des guirlandes de fleurs odorantes pour créer une atmosphère apaisante. Vous vous sentez tellement à l'aise et en paix dans ce temple tibétain. C'est un endroit où vous pouvez vous déconnecter de la vie quotidienne pour vous connecter avec votre être intérieur. Vous pourriez passer des heures à explorer les moindres détails de ce temple, et pour autant l'essentiel est là, l'émergence d'une onde de calme et d'apaisement qui envahit tout votre corps. C'est comme une sensation qui se mêle aux hormones du sommeil, comme si tout cela venait à votre rencontre, comme pour faire une pause. Et vous vous installez confortablement dans cette petite pièce isolée du temple. Et délicatement, vous reposez votre corps sur les coussins disposés au soleil. Et chaque muscle est parfaitement positionné. Chaque articulation est détendue. Et vous vous sentez bien dans ce lieu magique, ici et maintenant, en train de faire l'expérience de la paix intérieure. Sensation dont vous êtes à la recherche depuis si longtemps, que vous avez retrouvée ici lors de ce beau voyage. Appréciez cet instant, prêt à conserver ce cadeau pour l'avenir.
Lorsque vous êtes en paix intérieure, vous ressentez un état de sérénité et de tranquillité profonde. Votre esprit est détendu et calme. Et vous vous sentez en harmonie avec vous-même et avec le monde qui vous entoure. Vous vous sentez léger et libre, comme si un poids s'était évaporé de vos épaules. Les pensées et les émotions désagréables qui vous ont tourmenté ont disparu, laissant place à une clarté mentale et à une lucidité qui vous permette de voir les choses sous un jour nouveau. À partir d'aujourd'hui, vous êtes capable de vous concentrer sur le moment présent, de vous immerger dans l'expérience que vous vivez, sans être distrait par les pensées, en ressentant une profonde gratitude pour la vie, pour les merveilles de la nature, pour les personnes qui vous entourent, les animaux, pour les expériences que vous avez vécues. Et vous êtes reconnaissant pour tout ce qui vous entoure, réalisant la chance que vous avez d'être en vie. Et en ayant stimulé la paix et le calme intérieur, vous êtes maintenant en mesure de gérer efficacement le stress, l'anxiété et les émotions désagréables. Vous êtes capable, je le sais, de faire face aux défis de la vie avec une perspective différente, plus positive, et de trouver des solutions créatives pour résoudre les problèmes, tout ce qui vous empêche d'être heureux, les entraves au bonheur. Grâce à ce nouveau climat intérieur, vous vous sentez en mesure de prendre des décisions plus réfléchies, plus sages, parce que vous avez une meilleure compréhension de vous-même et de vos besoins. Vous êtes également capable de faire des choix qui sont en accord avec vos valeurs et qui vous apportent un véritable sentiment de satisfaction et de réalisation en étant parfaitement aligné avec vos désirs. Vous êtes capable à partir de maintenant de mieux communiquer avec les autres. Vous êtes plus à l'écoute, plus compréhensif, plus empathique envers les personnes qui vous entourent. Et de votre côté, vous pouvez communiquer sur vos pensées, vos sentiments de manière claire et respectueuse. Tout cela favorise des relations plus harmonieuses, plus enrichissantes. Et enfin, vous êtes en mesure de vous connecter à votre spiritualité et à votre essence intérieure. Vous réalisez que vous faites partie d'un tout plus grand que vous. Et vous pouvez vous connecter à une source d'énergie positive et bienveillante qui vous soutient dans votre vie.
Alors je vais me taire à présent pendant 5 minutes. Et pendant ce temps où vous n'avez rien à faire, seul votre inconscient peut créer tous les changements à l'intérieur, toutes les bascules à l'intérieur.
Voilà, c'est bien. Et comme vous le savez, la seule façon pour que cela puisse se réaliser dans votre quotidien, c'est que votre conscient et votre inconscient collaborent autour de votre bien-être, de votre bonheur personnel. Et c'est pour ça que dans quelques instants, vous allez revenir à un état de conscience éveillé. Cette séance qui a pour but de vous apaiser bien sûr et d'aller bien au-delà, de vous aligner avec ce que vous voulez vraiment pour vous-même. Et cela va fonctionner justement en vous éloignant de l'expérience elle-même. Et c'est un peu comme les nuages qui s'évaporent et que le ciel devient à nouveau bleu. Et vous allez peu à peu ressentir chaque partie de votre corps qui a profité de cette séance pour se relaxer. Et le corps se réveille tranquillement et ma voix se dynamise depuis un moment déjà. Tout comme votre souffle peut le faire, il peut prendre un rythme plus soutenu dans un premier temps. C'est bon de refaire surface d'une manière rassurée, apaisée et calme, bien sûr. Vous pouvez reprendre contact avec le support sur lequel vous aviez déposé votre corps. Le corps peut commencer à bouger également pour remettre de l'énergie dans chaque muscle, dans chaque organe. Dans chaque cellule. Ressentez comme tout votre être respire, il est en train de recontacter votre environnement. De ce fait, vous pouvez prêter attention à la température de la pièce, au son, au bruit, à la texture du support au contact de votre corps. Et vous pouvez emmener votre corps à des étirements, à des bâillements, si cela est agréable pour vous-même. Il y a un mythe parfois que je perpétue également, qui est celui de pratiquer pendant 21 jours une même séance. En fait, c'est un chiffre un peu magique qui dit que simplement c'est un temps suffisamment long pour intégrer de nouvelles manières de faire, d'agir. En réalité, les neurosciences nous montrent que c'est plutôt une soixantaine de jours dont nous avons besoin, une répétition pendant 60 jours à peu près de toutes ces expériences pour que cela se transforme en de nouvelles capacités. Alors, vous savez ce qu'il vous reste à faire quand vous avez trouvé ici sur cette chaîne une séance qui vous parle vraiment, pour laquelle vous sentez qu'il y a plein de possibilités de changement, eh bien, réalisez-la tous les jours, comme moi je le fais aussi pour mon évolution, pour ma propre vie. Vous la réalisez pendant au moins une soixantaine de jours. Je vous remercie pour votre confiance, bien sûr. Elle est légendaire, cette confiance. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait. On a toujours une personne sur deux à peu près qui écoute mes vidéos sans y être abonné. Vous êtes bien sûr les bienvenus, mais c'est vraiment sympa d'activer la petite cloche en vous abonnant parce que cela vient bien sûr aider le référencement sur YouTube. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt pour une prochaine aventure.